Bonjour, je m'appelle Antoine Hervé et je vais vous apprendre à jouer Empire State of Mind de Alicia Keys au piano. On a d'abord une main gauche qui fait des accords de si majeur répétés comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Fa dièse majeur, Do dièse majeur, et ça recommence. Trois accords. Fa dièse majeur renversé, Do dièse majeur. Voilà, donc vous devez apprendre ces trois positions d'accords. Si majeur, avec un 4 sur le Si, Fa dièse majeur renversé, avec un 4 sur le La dièse, et Do dièse majeur, Do dièse, Mi dièse, Sol dièse. Pour la main droite, le thème, on va le jouer dans l'aigu du piano. On doit placer ce thème sur une mesure qui est la référence rythmique. La mesure est à 4 temps, qui fait 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, New York, voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous voyez, toutes les notes sont syncopées, c'est-à-dire qu'elles tombent entre les temps. C'est pour ça que ça swing et ça swing toujours à New York. Si vous avez appris déjà la main gauche puis la main droite, vous pouvez jouer les deux mains avec moi lentement. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voilà de quoi travailler le refrain de Empire State of Mind de Alicia Keys. Pour d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Minute Pratique ou pour un cours complet, rejoignez-moi sur antoinehervé.com.